tu nettoies par tous ses pas. Je suis à la tête et non à la queue. L'amitié. Friendship. Ne croyez pas trop à l'amitié. Don't believe in too much in friendship. Le meilleur ami d'un homme, c'est lui-même. The best friend of somebody is his own self. Le meilleur ami d'un homme, c'est lui-même. The best friend of somebody is himself. Non, ça c'est ma tante chérie. It's my auntie. Je dois l'appeler chaque semaine. I have to call every non, week. Ça c'est mon oncle chéri. It's my uncle. Non, lui n'est pas dangereux. He's not dangerous. Ah, c'est lui-même qui est dangereux. He's so dangerous. Fais attention. Watch out. Il y a des gens ici. There are people here. Les bénédictions. Their blessings. S'est arrêté parce qu'ils ont trop parlé. They spoke stop because they talk too much. Les bénédictions s'est arrêté parce qu'ils ont trop parlé. Their blessings stop because they talk too much. Ils veulent tout expliquer. They want to explain everything. Je vais dire à mon ami. I have to take my friend. Je lui dis qu'elle m'a breaké. That as she spoke to, il dit va me marier. You want to marry me. On a eu à bénir des mariages rasés. We parce que tu as trop parlé et on est obligé de bénir. C'est ta bouche qui t'a vendu. It's et puisque ta bouche t'a vendu, on est obligé de bénir. Un homme qui est dans le silence, il est dangereux. When you are silent, you are dangerous. Non. Un homme qui est dans le silence. When you are silent, sur la terre. On est après Dieu. After God. J'ai confiance en ma femme. I believe. Mais it, I believe it, I je lui dis mes choses quand tout est prêt. I say everything to her when everything is ready. La Bible même dit. The Bible says. Celle qui couche sur ton genou. Fais attention. Knee, ne lui dis pas tout. Don't tell everything to her. Un homme doit être profond. A man has to be deep. Mais un homme ne doit pas se pavaner, il parle. Non. Ce qui fait de toi un homme, c'est ton intérieur. What makes you a man is your inside. Qui a fait votre chute? What makes you downfall? Vous ne connaissez pas votre environnement, vous parlez seulement. You don't know your environment, you talk too much. Dieu a créé l'homme trop puissant. God created man so powerful. Dont l'homme même a des vibrations. Mom himself has vibration. Le fait même que tu me dises ton affaire. The fact you said to me, your business matter même to si me. Je suis pas sorcier. Even I'm not witch. Que je dis, ça, si Dieu pouvait bloquer ça. And I say, if God can stop it. Si Dieu pouvait te punir. If God can punish him. Le fait même d'avoir ces vibrations. The fact I had those vibrations. C'est des vibrations déjà négatives. A negative vibration. Voilà pourquoi un homme ne parle pas. That's why a man doesn't talk. Parlez moins. Spoke less. Non, je dois signer demain. L'entretien s'est tellement bien passé. Donc, quand il m'a regardé, il m'a dit c'est ok, when c'est propre. Me, says, okay, it's propre. C'est propre, et puis tu es encore assis là. C'est propre comme ça. Now, tu parles trop. You talk too much. Talk actif. Garde un peu dans ton cœur. Garde keep un peu dans ton your heart. Un homme qui garde, il est dangereux. You want to keep un homme dangerous. Qui garde, you quand il frappe, when il ne joue pas. It doesn't miss. Il surprend tout le monde. He surprise everybody. Mais un homme qui parle trop. When you talk too much. Mais Alonté l'a dit ça. Ça, on savait ça depuis. This one, he said it. We know it already now. Tout dans la Bible. Même pas l'histoire. La Bible nous dit. The Bible says. Samson. Samson. Il partait son père et sa mère. He was going with his father and mother. Un jeune lion s'est dressé contre lui. A young lion came against him. Il a attrapé le jeune lion. Hold the young lion. Il a déchiré le jeune lion. He tore the young lion. Mais dites-moi. Said to me. Pourquoi le jeune lion n'a pas attaqué son père et sa mère, mais why? C'est l'enfant qui attaque. Why the young lion didn't attack the father and the mother, but only Samson? Le lion attaque toujours celui qui a une destinée. The lion always attacks. Un homme qui n'a pas une destinée, le lion ne l'attaque jamais. If you don't have mais destiny, le lion attaque toujours un homme qui a une destinée. Voilà pourquoi Samson l'a déchiré. That's why Samson tore him. Mais Samson m'impressionne. Samson est il n'a rien dit à son père. He il n'a rien dit à sa mère. Father. Il a tué le lion comme lion. Il n'y avait rien. Like et il a fait la route à son père. And il a fait la route à sa mère. Un homme qui veut grandir, il ne parle pas beaucoup. Un homme qui veut grandir, il n'explique rien. Un homme qui veut grandir, il n'a pas besoin d'explication. Néanmoins, je vais prier pour une jeune sœur. I want to pray for a young sister. Elle est là à présent. She's here. Aujourd'hui, à 6 heures, tu as eu tes menstrues. Today, you got your menstruation 6 heures. 6 p.m. 6 a.m. Je veux te parler. I want to talk to you. Bonne arrivée. Tu es dans un grand combat avec un esprit de mari de nuit. Tu es dans un très grand combat. Cet esprit-là, il t'a bloqué presque tout. Mais quand je te regarde,
Nous sommes dans quel mois? Tu me suis? Dans le mois de mai, il y a quelque chose que tu attends ici à Paris il y a très longtemps. Mais dans le mois de mai, tu vas avoir ça. Tu te sens tellement complexé dans ces temps. Actuellement, tu te sens trop complexé. Mais Dieu me dit de te dire qu'il est avec toi. Que tous tes sujets et prières qui sont montés, ça va, l'exaucement va descendre. Tu vois, ceux qui sont assis là, prends rendez-vous avec eux, viens parler avec eux. Tu m'entends? Viens parler avec eux. Si tu as parlé avec eux, les choses vont commencer à se desserrer autour de toi. Parce que je vois des gens qui te réclament dans ton pays. Les gens te réclament. Mais seulement, il y a un lion que tu dois tuer fossé. Ton père a combien de frères? Des demi-frères. Combien de demi-frères? Ils sont beaucoup. Je vais te décrire un. Tu le connais? Un peu. Il y a un, il te dépasse. Il te dépasse. Il est très noir. Il porte les verres. Il porte les verres. Il est grand détail. Il était toujours contre ton père jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu vas au pays? Tu ne vas pas au pays. Ah, ça. Où je te parle actuellement, il a des douleurs de poumon, infection pulmonaire. Il faut te renseigner, ils vont te dire. C'est lui l'ennemi géré de ton père. Ton père a balancé l'argent comme ça. Tu me vois? Balancer l'argent comme ça. Il n'a rien fait avec l'argent. Et pour finir, tout le monde se moque de lui. Mais c'est lui qui a fait ça. Il a infection pulmonaire. Tu me vois? Je suis prophète Diop Mamadou. Dans 3 semaines, il va mourir. Et tu vas témoigner. Tu m'entends? C'est Dieu qui t'a conduit en ce lieu. Si tu quittes ici, viens voir le prophète. Il faut jeûner 3 jours à eau. Tu m'entends? Il y a un voile sur ta tête. Ce voile-là empêche ta prière de monter. Quand tu vas jeûner, il va prier pour toi. Le voile sera brisé. Et ce que tu attends va descendre. Mais dans 2 à 3 mois, ça va descendre absolument. Et tu vas dire, Dieu est bon ici en France. Donne-moi la main. Que l'Éternel veille sur toi. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel ouvre les portes pour toi. Tu vas tuer un lion. Le lion de ta famille. Après ces 3 jours de jeûne, ce lion va tomber au nom de Jésus. Amen. Merci. La nuit de vendredi, il y a une dame ici, tu t'es retrouvée dans l'eau. Ce rêve est resté dans ton esprit. Je veux te parler. Tu t'es retrouvée dans l'eau ce vendredi? Surtout ce vendredi, ça t'a marqué. Dans votre famille, vous êtes tous jolis. Tous jolis. Tous jolis. Mais à peu près le même problème. Problème de foyer. Quand tu vas voir le prophète, quand il va prier pour toi, il va sécher l'eau derrière toi. Tu m'entends? Quand tu étais encore plus jeune, quelqu'un t'a aimé. Quand tu étais encore plus jeune, mais ça n'a pas abouti. C'était la jeunesse. Il a le même esprit aussi. Il n'arrive pas à se marier actuellement, mais tu n'es pas sa femme. Où je suis en train de prêcher actuellement, il a fini son cul depuis 10h30. Il cherche ses repères. Mais quand il sera délivré, il sera délivré. Vous avez le même destin. Vous avez le même destin. Je vois une personne
qui est entre des murs, qui cherche à sortir. Qui cherche à sortir, qui cherche à sortir. Si vous la poussez un peu, elle va sortir. Mets ta paume ici, s'il te plaît. Tu ne vas pas échouer. Tu as le même dessin avec un jeune homme. Il est maintenant un monsieur, il n'est plus un jeune homme. Quand je le regarde, il a près de 40 ans. Il a le même dessin. Ça n'a pas marché. Il cherche ses repères. Toi aussi, tu es bloqué quelque part. Mais que l'Éternel t'exauce. Tu ne vas plus jamais entrer dans l'eau. Cet esprit de sirène va se retirer de toi complètement. Parce que l'Éternel te rend libre au nom de Jésus. Amen. Il y a une dame ici qui a un problème de bas-ventre. Ça vient par période. Mais c'est un esprit, il est en train de partir actuellement. C'est toi? Mets la main sur ton bas-ventre. Mais reste derrière moi là, s'il te plaît. Reste là, ne bouge pas. Commando, sur la plateforme. Security, watch out. Quitte son bas-ventre maintenant. Leave right now. J'ai l'onction en main. I have the anointing in my hand. Retire-toi. Go away. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Fire. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Ce mauvais cycle, je le brise et je le neutralise. L'Éternel te libère. C'est fait. Au nom de Jésus. Amen.